il est sorti. Bon, Abora, Abora. Pour commencer, je tiens à vous témoigner mon affection, ma gratitude, mes remerciements. Vous mobilisez parce que vous savez que la cause est plus que jamais importante. J'ai été, il faut que vous le sachiez, donc gardé plus de 2 heures par la police à l'aéroport. Je n'ai pas été maltraité, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de patriotes à l'aéroport, mais malheureusement, eux-mêmes doivent suivre les instructions. Les instructions qui leur ont été données étaient que je suis une personnalité politique dangereuse et donc par les autorités maliennes surveillées. Et on sait que quand on parle des autorités maliennes, malheureusement, parfois, en parallèle, il y a les autorités françaises qui ne voient bien évidemment pas d'un bon œil le combat politique que nous menons contre le néocolonialisme de manière générale et le néocolonialisme français en particulier. Comme je l'ai dit à la police et comme je le dis ici, nous sommes venus pour nous mobiliser pacifiquement, intelligemment, contre le néocolonialisme sous toutes ses formes, contre l'élargissement de la zone franc voulu par l'oligarchie française et l'oligarchie africaine qui agit en concubinage incestueux avec cette oligarchie française-là. Nous ne sommes pas là pour prôner l'anarchie, nous sommes là pour prôner la justice. Comme je l'ai dit à la police, je ne peux pas comprendre que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il venait ici, était accueilli avec les honneurs. Lorsque Bolloré, le mafieux français Bolloré, vient au Mali, il est accueilli avec les honneurs. Mais quand un combattant de la liberté qui risque sa vie au 21e siècle pour que notre peuple puisse être autodéterminé, lorsqu'il vient, il est gardé plus de 2 heures. J'ai dit que cette période doit cesser et que si elle ne cesse pas dans la paix, il arrivera un moment où malheureusement la jeunesse africaine sera beaucoup moins calme. Et donc j'appelle les autorités africaines, d'accord, je les appelle profondément, intensément, avec amour, affectueusement, à arrêter de se soumettre en continu vis-à-vis de l'impérialisme français de manière générale. J'appelle tous les frères et sœurs à venir à la Bourse du Travail, samedi 14 septembre, à l'esplanade de la Bourse du Travail, samedi 14 septembre, à quelle heure? À 16h, pour se mobiliser massivement contre le néocolonialisme, contre l'élargissement de la zone franc, contre les bases militaires françaises, parce que nous sommes des pays indépendants normalement. Nos parents se sont battus pour que nous soyons indépendants, non pas pour que nous soyons à quatre pattes devant l'impérialisme français. L'Afrique pour la mort nous va.